Qu'est-ce qui t'avait marqué? Qu'est-ce qui était intéressant pour toi quand tu es revenu de ton voyage au Burkina et au Mali là? Oui, ça a duré, hein. C'était en 88. Et l'impression que j'avais, c'est-à-dire je me disais que je n'ai jamais vu, comme j'étais nouvelle dans dans le mouvement-là, j'ai dit que pourquoi ces gens-là, puisque les groupes Manam Sijas avaient de vastes champs de légumes, et je me disais que comment ces gens-là ont fait pour avoir vraiment ces choses-là. Et pourquoi, au niveau de notre zone d'intervention, on ne pouvait pas faire ça. C'est l'impression que j'ai. L'autre chose, j'ai vu des usines de fabrique de karité, des usines de fabrique de savon, etc., etc. Tissage, des compagnies tissées. Et je me disais que, mais, moi, comme j'étais nouvelle dans le milieu là, je ne pouvais pas imaginer qu'une fois vraiment, l'IGPM puisse vraiment arriver dans cette situation-là. Et l'autre chose qui m'avait beaucoup impressionné, c'est que c'était la première fois que j'ai vu vraiment une femme sur une moto.